Et enfin, je vais vous dire qui est mon traiteur, parce qu'effectivement, j'utilise un traiteur pour les repas, pour mes fêtes, les soirées amirales. Haha, quand j'ai pas envie de cuisiner moi-même. Et souvent, c'est moi qui cuisine malgré tout. Voilà. Alors, vous connaissez le temple de David, la cité de David à Jérusalem. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Là-bas, il y a un traiteur, un cuisinier, au temple de Salomon. Il y a un cuisinier qui est au temple de Salomon à Jérusalem. C'est que c'est un temple réel. Ouais, bien. C'est moi qui ai mis toutes les lumières. J'essaie de faire quelque chose de moderne, moderniser les choses. Je leur ai dit, attention, vous n'êtes pas assez lumineux, ils ont été vexés. J'ai installé le chauffage au sol aussi dans ce temple. Et la nouvelle toiture. Et donc là-bas, il y a un traiteur, les gens font des pèlerinages, des fois, pour manger ce qu'on mange au temple de Jérusalem. Eh bien, dans mes soirées, le traiteur, si tu ne vas pas à Jérusalem, vient jusqu'à toi. Tu vas me dire, ouais, c'est un peu sémite. Et je prends aussi des repas de la Mecque. Y a des gens qui vont me faire des repas à la Mecque, qui vont nous livrer les repas et assurer qu'ils ont été bénis par les imams là-bas. Fait par les imams. Ils ont un service de traiteur culinaire. Ah bah oui. J'ai des repas qui viennent du Vatican aussi. Parfois, c'est le pape qui s'y colle, qui cuisine. Avant, c'était Saint Jean-Paul II. J'ai fait moi-même les tartelettes. Pour mes soirées. Ah bah c'est normal, c'est mes soirées. Ben moi, c'est quand même mes chevaliers. Ben oui, je vais médailler des gens. Quand je nomme les gens, par exemple, pour les Grammy qui sont les miens, ou les awards qui sont les miens, et sur un uniforme de casque bleu, vous êtes galonné, vous recevez un galon. Si c'était la guerre mondiale, vous auriez des grades militaires. Heureusement qu'il n'y a pas de guerre mondiale. Vous seriez casque bleu, vous ne seriez pas soldat américain. Ok? Bien. Et je suis enfant de cœur du pape quand même, donc après pour les autres, je suis enfant de cœur de saint. De Saint Jean-Paul II. Donc Jérusalem, je suis prince de Jérusalem, ça c'est vrai aussi. Jérusalem m'envoie les repas, la Mecque m'envoie les repas, je suis immuable de la Mecque 94, pour les repas. Vatican m'envoie les repas, et Lourdes, c'est là-bas que je suis miraculé. Et donc Lourdes m'envoie des repas aussi. Et donc quand je fais mes soirées, avec tout le monde là, et que j'anime dans les parcs et autres, soit je fais le traiteur moi-même, je fais la cuisine moi-même si j'ai le temps, si j'ai pas le temps, je commande les repas chez les autres. C'est Lourdes, le Vatican, la Mecque, et Jérusalem qui me font les repas. Voilà, comme ça je suis sûr que c'est des repas bénis. Et les gens, ils se battent pour avoir une place dans mes soirées. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, le nombre de jeux SMS, il augmente d'un le nombre de participants aux jeux SMS.